Allez, venez, on va faire un bras de fer, roquet d'enfant. Ça va y aller. 1, 2, 3, partez. Aglaé, c'est l'histoire d'une enfant qui voit le monde tout courbé et qui voudrait le redresser. Et dépêchez-vous, la directrice va nous repérer. Oh, Aglaé, t'es impressionnante, hein. Tu devrais t'appeler la bourrasque. Eh, tu sais, tout le monde le dit. Allez. Le monde, il ne va pas assez vite. Je voudrais que tout s'accélère. Quand c'est lent, ça me fait trépigner, hurler. Même que des fois, ça affole les voisins. Et maman, elle dit, c'est rien. C'est ma fille, Aglaé. Elle saute, parce qu'elle voudra aller aussi vite que la lumière. Même mon frère, je l'épate. Son chewing-gum, je lui fais avaler tout rond. On se cogne toujours dedans, mais c'est pour savoir qui c'est qui s'aime le plus fort. Maman, elle comprend pas, hein, mais je sais que je l'impressionne. Souvent, elle me regarde et fait, oula, je suis une tornade, c'est comme ça. Et j'ai des biscottos sur les bras. Le propos du spectacle, c'est parler aux enfants des droits de l'enfant. Et on suit Aglaé qui se révolte, qui trouve le monde injuste, qui cherche à répondre à des questions comme « c'est quoi l'équité ?» Pourquoi je me pose toutes ces questions? Je me demande si j'étais un garçon, je penserais autrement. Et aussi pourquoi on saute à cloche-pied dans la cour? Et pourquoi la directrice, on dirait un orgue? Et pourquoi elle veut que toutes les filles ressemblent à des poupées? C'est quoi l'équité? Pourquoi il y en a qui aiment l'école? Pourquoi il y a des métiers filles ou garçons? Pourquoi on mange ces crottes de nez? Il y a des vitamines dans les crottes de nez et dans les tomates? Pourquoi on dit tomate cerise alors que ça n'a pas le goût des cerises? Pourquoi on dit que les enfants, ils savent moins de choses que les grands? Pourquoi la petite a disparu sans laisser la trace de son retour? Oh, j'ai une cicatrice, qui veut la voir? Wow. Oh, on dirait une arête de poisson. Ouais. Moi, j'ai un peu peur de la rentrée des classes. Moi pas. Dans la cour de récréation, il y a la directe stricte. Attention! Je suis votre nouvelle directe stricte. C'est fini les vacances. Ouvrez les paupières, serrez les fesses, asseyez-vous, écoutez et apprenez. Qui souhaite qu'Aglaé soit une petite fille comme les autres petites filles, qui se comporte bien et qui ne fasse pas des bêtises comme les garçons bécassons. Voilà, qui est un petit peu la reine de cœur de Alice au Pays des Merveilles. Et attention, pas d'histoire. Pas de chewing-gum collé dans les pages. De toute façon, je n'ai pas le droit. C'est interdit de mâcher du chewing-gum. Madame la directrice. Garde à vous, ma tribu. Debout. Oui. Pourquoi à l'école, on reste assis sur les fesses toute la journée? Assis. Dans la cour de récréation, il y a Charlotte, qui est une petite fille, qui est fifi, qui est très 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 fifi, même un peu trop, ce qui énerve beaucoup Aglaé. Non, mais j'attends le baiser du prince Charmeur. Embrassez-moi. Ah, mais c'est les grands qui font la zumba sur la bouche avec la langue. En même temps, si, moi, ça me donne un peu envie. La langue, ça a quel goût? Le goût? Mais ça dépend de ce que t'as mangé. Vanille, pistache, steak haché. Moi, je veux bien embrasser à la rigueur avec une paille. Oh, tu préfères embrasser la directrice stricte ou Valentin? Non! Mais si, si, regarde, Valentin, ça pourrait être ton prince. C'est vrai que des fois, Valentin, j'ai envie de lui prendre la main. Non! Moi, les princes et les princesses, je les éclate! Lola, réveille-toi! Allez! On dirait que tu sais pas être une fille. C'est dommage, on pourrait bien s'amuser toutes les deux. Mais je m'amuse. Pourquoi je m'amuserais comme une fille? J'en ai marre. Dans la cour de récréation, il y a Valentin dont elle est un petit peu amoureuse. C'est pas les filles qui prennent les mains des garçons. C'est aux garçons de prendre les mains des filles. C'est ce qu'il m'a dit, il est vraiment trop macho. Alors à ton avis, c'est quoi ce que j'ai le droit de faire? Toi, pot de colle, tu peux faire des déconfitures, tu peux laver des taches d'herbe aux genoux et dire « Ah, ça part pas hein. !» Qu'est-ce qu'il est pas supportable? Tu peux t'enfermer dans la salle de bain pour devenir jolie, tu peux faire les soldes aux courses des super grands magasins, enfin tout comme les mamans, quoi.
aussi le Dahu, qui est un peu comme justement le lapin qui court après le temps, qui est ce personnage qui amène Aglaé dans ses rêves et qui l'aide à répondre à certaines de ses questions. Regarde, comme le monde bouge. Tu ressembles à la petite fille que je voudrais avoir. Oulala, le bobo n'est pas beau. Tu crois qu'il n'existe qu'une réponse aux questions ? Mais non. Il existe autant de réponses que de gens dans le monde. T'as écouté tout ce que je t'ai dit ? Non. Bonjour, au revoir. Aglaé ! Tu connais déjà la réponse aux questions que tu te poses ! Crie-la bien fort ! Mais vous êtes qui ? Chanson du Dahu pour que tu sois moins sotte. Attention, c'est parti ! Il aime se distinguer ou disparaître. On ne sait pas vraiment à quoi il ressemble. Qu'il a déjà vu un Dahu à bon dos. On dit, il est ici, mais il est déjà parti. Un peu vaurien, un peu espiègle. Des idées toujours en paquet de 12. Il est solitaire. On dit, t'as vu le Dahu? Il était là il y a 5 minutes. Tu m'as vu tout du cru. Tu me reverras pas, tête de je sais pas quoi. Hé, hey, toi, petite fille indocile, tu cherches quoi? Le Dahu, je parie. Dommage, il est déjà parti. Certains crétins croient qu'il n'existe pas. C'est qu'ils l'ont jamais rencontré, il faudrait leur envoyer sa photo. Et tu la veux, ma photo? Viens la chercher. Il faut d'abord me trouver. Dans Aglaé, il est question d'une petite fille qui est disparue, c'est la petite Nojoud. C'est injuste. Ça veut dire, faut pas laisser l'eau bouillir, parce que ça va déborder. Faut faire quelque chose. La petite. Tout le monde dit qu'elle est mariée. La petite. C'est quoi? La petite. Comme elle a l'air appétissante. Non. Je me cherche pas. Non. C'est le plat principal. J'ai l'estomac qui gronde comme l'orage. Je veux pas passer dans la grande casserole du mariage. Il était une fois une petite fille, la petite Nojoud. Nojoud? Oui, Nojoud, c'est le prénom de la petite qui a disparu de la cour de récré. Elle était toute renversée. Elle ne savait plus qui, que, quoi, comment. Et le monde des autres, elle le voyait tout courbé. Pourquoi il était tout courbé, le monde des autres? Parce qu'elle a été mariée à un homme, elle avait 9 ans, au Yémen. C'est une histoire vraie? C'est une histoire vraie. Comment elle a fait pour que le monde ne soit plus courbé? Eh bien, figure-toi qu'elle a réussi à divorcer, elle avait 10 ans. Et c'était la première fois que ça arrivait. C'est une petite fille extraordinaire. Ouais, ouais. Elle a trouvé le chemin de la liberté. L'histoire d'Aglaé, une enfance rare. Comment est-ce qu'elle réveille le monde et comment est-ce qu'elle le construit? Il est une fois
Moi, Aglaé. Moi, la petite fille qui dit « Le monde était tout courbé. Il fallait le redresser. Révoltons-nous. Crions si fort que le monde nous entende ou qu'il devienne sourd. » C'est essayer de comprendre le monde qui pose tant de questions aux enfants comme aux plus grands d'ailleurs. On peut toujours rêver, mais faut souffler fort. Je pense qu'une des plus jolies phrases qu'il a été donné de dire, c'est « Il était une fois, à toi d'écrire la suite. Il était une fois, Aglaé !» À braver les causes à dormir debout, pour réveiller les bigrands mous, pour que les alouettes chantent bien avant le printemps, pour que les enfants se tiennent droit dans leurs chaussettes. Tout le monde peut penser que ce que j'ai vécu, c'était un rêve. Et alors, moi, je l'ai cru réel.